وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Pour appeler à la voix d'Allah et pour emprunter ses voies, on n'utilise que des moyens légiférés. Et on n'utilise pas les moyens adoptés par les associateurs, par les mécréants qui sont propres à eux, ou par les sectes égarées. Et nous avons la ferme conviction que la da'wa ila Allah, l'appel à Allah, est une des meilleures adorations par laquelle on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme toute autre adoration, elle n'est acceptée que si elle est faite et elle est pratiquée selon des règles déterminées par l'islam, qui sont la sincérité dans l'acte et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière de faire cette adoration. De ce fait-là, nous ne voyons pas d'adopter des moyens qui sont spécifiques aux mécréants et qui sont contradictoires à l'islam dans la prédication, ou bien dans le fait de vouloir changer les choses ou dans la société, comme les manifestations, comme les grèves, comme les pièces de théâtre, la musique, les chants, les je ne sais quoi. Jamais, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les sahaba, ni les meilleurs siècles, ni les savants de l'islam qui les ont suivis, n'ont accepté ces moyens-là comme des moyens légiférés pour la prédication ou bien pour changer les choses. Car ce sont des moyens qui sont des moyens spécifiques aux gens du kufr et aux gens de la bid'a. Jamais les gens de la sunna n'ont accepté ces moyens-là. Et ça, c'est important de le savoir. Le musulman doit avoir des objectifs nobles, acceptables auprès d'Allah, mais aussi doit emprunter des moyens nobles et acceptables pour atteindre cet objectif. Il ne suffit pas d'avoir une bonne intention et un bon objectif pour se justifier d'utiliser n'importe quel moyen. Oui, mais c'est pour une bonne cause. La fin justifie les moyens, ça n'existe pas chez nous. Ce n'est pas notre religion, la fin justifie les moyens. Chez nous, la fin, elle doit être légiférée. Et les moyens doivent être légiférés. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une bonne intention, il a une bonne intention, il veut faire le bien, mais il n'utilise pas les moyens qu'il faut, il utilise des moyens interdits. Je vous donne un exemple. Oui, la jeunesse, mashallah, ils sont égarés, ils ne comprennent pas, on va leur expliquer l'islam en leur faisant des chansons. On va leur faire du rap, comme ils font aujourd'hui. Là. On va les faire rire, on va leur faire une pièce de théâtre. Parce que si on leur fait un discours comme ça, trop froid pour eux, c'est trop technique, il faut leur faire quelque chose qu'ils ont l'habitude d'entendre. Ça, ça existait déjà à l'époque des soufis, ils ont fait ça. Et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a mis en garde contre eux, il a dit que c'était une bid'a ce qu'il faisait. Il réunissait les jeunes, enfin les jeunes ou les moins jeunes, je ne sais pas à l'époque si c'était les jeunes, aujourd'hui c'est les jeunes, les gens, et en faisant des chants, soi-disant, comme ils ont appelé les chants religieux. Et à partir de là, ils ont cru que c'était un bon moyen d'appeler à l'islam. On ne dit pas que ces gens-là, c'est des gens qui ils ont une essence mauvaise. Ils cherchent à faire le mal. Il y en a, ils cherchent à faire le bien, subhanallah. Mais ils se trompent de chemin. Ou alors, ils ont un manque dans leur base. Ils n'ont pas compris qu'il faut suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire le bien et pour appeler au bien. Ou faire des mises en scène. Ah, on est là, on fait une mise en scène. L'autre, il fait un gars de la rue et moi, je fais un je sais pas quoi. Depuis quand ça fait partie de l'islam? Depuis quand on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba et les grands savants faire cela? Si c'était un bien, ils l'auraient fait. Ne t'inquiète pas, ils ont plus le désir de la guider des gens et l'envie de leur enseigner que toi et moi et nous tous réunis. Donc ça, c'est un point aussi qui est très important. Barakallahu fik. A contrario, la personne qui utilise des moyens légiférés, en apparence, mais avec des mauvais objectifs, ça aussi, ce sera haram. Par exemple, quelqu'un en apparence, il utilise des moyens qui sont légiférés, qui ont l'air corrects. Mais son objectif, c'est atteindre la célébrité. Son objectif, c'est attirer les gens vers lui. Son objectif, c'est atteindre une place. Son objectif, c'est gagner de l'argent. Son objectif, c'est être aimé par les gens. Peu importe. Un objectif autre que chercher la face d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors ça aussi, ce ne sera pas légiféré. Et les moyens et l'objectif doivent être concordants à ce qu'Allah demande de nous.